Coucou tata, s'il te plaît, aide-moi. J'ai des boutons, j'ai un visage gras. Il y a de l'huile qui sort de mon visage. Je cherche des gommages. J'ai utilisé des pommades. Quel gommage je dois appliquer? J'ai acheté des crèmes, ça ne marche pas. Tata, s'il te plaît, fais une vidéo pour nous qui avons de peau grasse, de visage gras. Maintenant, je suis devant vous. Je suis devant vous. Je vais faire une belle vidéo pour vous. Et ce que je vais utiliser ici, appliquez ce que j'ai fait ici. Et vous allez revenir me dire merci. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez cette vidéo dans votre favori. Comme ça, prochainement, vous pouvez venir regarder. Ce gommage que nous allons faire, les teints noirs foncés, les teints café, les teints métissés, les teints clairs, tout le monde peut utiliser ça. Parce que je vois le commentaire, beaucoup de personnes disent que pour nous qui sommes de teint noir, de teint. Ça là, c'est pour tout le monde. Tu peux avoir une peau vraiment, vraiment foncée, tu vas l'utiliser. Donc, allons-y. Tout d'abord, ça c'est citron. Je prends du café. Je prends du café. Vous voyez, c'est café ça. Je prends du café. Je prends mon citron. Ça c'est citron bio. Je prends mon citron. Ça c'est quoi? C'est du miel. Il faut bien voir, hein, parce que vous dites que non. Montre-nous, montre-nous. Ça, c'est du miel. Donc, je mélange ça bien. Ouh. Vous voyez le mélange. Vous voyez le mélange. Vous ajoutez un peu du sucre. Le sucre là-même. Ok, c'est ici. Vous ajoutez un peu du sucre. Et puis, vous prenez ça. Vous voyez, je n'ai pas de maquillage. Je n'ai rien. Visage propre. Visage vraiment propre. Donc voilà. Pour ceux qui ont de peau vraiment, vraiment grasse là. Ou bien, il y a, oui, vous prenez le citron comme ça. Ma chérie, il faut gommer ton visage. Doucement, hein. Faut pas lutter avec ton visage. Ton visage n'a rien à voir avec ton problème. Donc, comme ça. Vous voyez? Vous gommez très bien votre visage. Après avoir gommé, comme ça, vous laissez le citron. Vous vous reposez à peu près 5 minutes, 5 minutes, 5 à 10 minutes, comme ça. Vous partez rincer. Quand vous rincez votre visage, utilisez une petite serviette, soit votre caleçon, et vous nettoyez votre visage, vous appliquez votre crème. La crème que vous allez appliquer, n'appliquez pas une crème qui est forte pour votre visage. Appliquez soit, comme on dit, beurre de karité, tout, mais pas crème forte, d'accord? Ça, utilisez au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, je vous donne tout le mois de janvier. À la fin du mois de janvier, ceux qui souffrent de peau, visage gras, revenez me dire si ça a travaillé pour vous ou pas. Au même moment que vous faites les astuces aussi, éliminez ce que vous mangez, diminuez ce que, comment, revois ce que vous mangez aussi. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau et diminuez ce que vous mettez dans la bouche comme arachide. Beaucoup consommation de trop d'huile, les choses qui peuvent vous donner des allergies, qui peuvent encore pousser des boutons à sortir. D'accord? Donc, les peaux gras, ou bien les peaux grasses. Donc, ceux qui ont la peau grasse là, voilà votre astuce. Ne dites pas que la vidéo est longue, hein, parce que vous avez tant réclamé. Il faut que je me lance devant vous. Donc, ça, c'est du café, du miel, du sucre, que ce soit sucre blanc ou sucre brun. C'est du sucre plus du miel. Café, citron, du miel et du sucre. D'accord? Bisous.